Salut les amis, si vous avez suivi mes aventures sur mes réseaux sociaux, Insta et Facebook, donc vous avez pu savoir que j'ai eu un accident et je m'en tire avec une double fracture du poignet. J'ai également une grosse fracture de l'anus au niveau des dépassements d'honoraires, puisque là je me suis fait allumer. Bon, petite complication, je vais apprendre que je sortais peut-être pas aujourd'hui. Je suis en train de faire un œdème au poignet. J'ai une douleur, mais un truc de fou. Donc apparemment même la morphine m'a pas calmé. Et je devais sortir donc ce matin à 11h. Et au final, par rapport à l'œdème et la douleur que j'ai, apparemment bah, c'est compromis. Il me garde encore aujourd'hui et peut-être plus. J'en peux plus. Alors dans l'urgence, suite à la découverte de l'œdème et ma plainte quant à la douleur, me file un truc dégueulasse sous la langue, c'est ignoble. Je préfère manger de la merde à la rigueur, je pense que ça aurait été meilleur. J'ai eu deux cachetons antalgiques et on m'a retiré la telle. Donc j'attends le médecin qui va passer pour me voir. On m'a dit de pomper avec les doigts pour dégorger l'hématome en fait et le fait que la main soit gonflée, j'ai même plus parlé. J'arrive pas à aller plus loin. Eh bien, me voilà de retour à la maison et content d'y être. Donc voilà. Voilà le verdict. Hein. Donc apparemment j'en aurai pour 3 mois. Avec la rééducation comprise, bien sûr. Donc eh bien, là on va mettre les explorations de côté pendant un petit moment.